On essaie de ne pas rire, hein. Allez, on y va, en marchant. Bonjour, bienvenue dans Agri Stories. Bonjour, bienvenue dans Agri Stories. Moi, c'est Marius. Moi, c'est Corinne. Ben voilà, Marie-Cécile, je suis prête, j'étais lavé mes mains, parce que là, j'étais avec, dans les chevaux. De quoi, Marie-Julie? C'est bien comme Marie-Cécile, hein. C'est une catastrophe. Un peu comme toi quand même, hein. Vogue le pic, mais un peu comme Marie-Cécile, hein. Marie-Julie. Donc un petit peu au Vogelpick, mais quand même un peu comme toi, Marie-Julie. C'est pas possible. Ça va faire partie du bêtisier 2023. Je ne m'appelle pas Marie-Cécile. Salut David, enchanté. La forme? Moi c'est Frédéric. Jean-Marie. Salut Mathieu. Salut Marius. Enchanté. En forme? À fond. Alors on m'a dit que tu m'avais contacté. Bah alors Thomas? Thomas? Thomas c'est le monteur Marius. Oh. On pense à toi Thomas. Ouais. Thomas? Mathieu? Non, Thomas qui monte. Ah, pardon. Thomas, je me suis permis d'arrêter, hein. Ça fait un peu de bruit. Nicolas. Je suis un peu allé Nicolas. Nicolas. Thomas. J'ai dit Nicolas. T'as dit Thomas. Maintenant. Ouais, ça va, mais j'ai pris une petite bière et une pause parce que Thomas... Nicolas. C'est pas possible, Nicolas. C'est une blague. C'est Marius ou Mariol? Alors Marius, si... Bon, c'est... Petite devinette, enfin, on est au château, dans le domaine du château de Mielmont, du coup on va la recommencer parce que... Ah, c'était pas mal. C'était cool. Alors Marius, ici on est dans une étable. Ouais, ça se voit, ça se voit. Et ça s'entend. Ça s'entend aussi. Mais on est surtout à la pergola. Alors Marius, ici on est dans une étable. Ouais, ça s'entend, je crois. C'est vrai. Mais on est surtout à la ferme de la Croix à Fils-Fontaine. C'est pas évident. Ferme de la Croix à Fils-Fontaine où Mathieu est mort de rire. Donc. On va retrouver les trois frères, leurs trois épouses. On va faire du gros. Ben, douille. Oh, il est pas grave, merde. Je suis désolé, à ce moment-là. Oh, je suis désolé. On est bien ici, hein. Oh. Pardon. Comment ça? Attends. Pardon. Marius, c'est fini, ça, la coulée douce dans les vignes au soleil, hein. J'ai pas signé pour ça, moi. En plus, je suis en train de tomber. Dis, Ok, t'avais dit quoi? Je pense que je vais faire des hamburgers, là. Des quoi? Des hamburgers. Corinne va faire des hamburgers, ok, génial. Ici, c'est la farine du moulin de la Hunelle. Génial. Moulin de Moulbé, on recommence. C'est pour être éclaté, ça. Je me baladais en vélo quand j'étais petit, à l'âge de 10 ans. Quand Il y en a une qui a 13 ans. Ben, on nourrit... Ben, nourrit... Ça y est. Attends. Ça prend à ce point-là? Oh, il y a de la maréto à fond. Il y a de la maréto dedans. L'autre, elle a rien senti, elle, par contre. Et on tirera au sort au mois prochain. Le regagnant. Le mois prochain, même. On tirera au sort le mois prochain. Exactement. Le regagnant. Et en plus, si nos téléspectateurs, ils ont envie aussi. Non. En plus, je l'attends, je lui dis, il va se marrer, c'est sûr. Et du coup, je rigole aussi comme un con. On tirera au sort au mois. Mais ce fromage n'était pas alcoolisé, Marius, hein, pourtant. Attends. Je suis bon. C'est bon. Nickel. Attends, non, faut garder. C'est génial. Normal. Mais là, on est en train de filmer, donc soit vous entrez, soit vous sortez, mais... Il va falloir prendre une décision. Il faut prendre une décision, pas rester dans l'entreport, quoi. Allez, Corinne, ramène ta fraise. J'ai crié encore. Pourquoi je crie? Ouais, j'ai crié de ouf. Oui, je sais pas pourquoi. Pourquoi je crie tout le temps? C'est toujours cette ambiance. Là, franchement, c'est insupportable, quoi. On se retrouve... T'as rien d'autre à dire? Bah si, mais pourquoi il m'a perturbé. N'oublie pas que tu dois t'adresser... Oui. Et d'ailleurs, la foire de Libramont qui reste quand même l'événement pour les agriculteurs cet comme été. Nous, exactement. Et les dates, c'est... Enfin, on ne sait pas. En fait, on ne sait pas regarder sur le calendrier. Hein. Par contre, tu as quand même changé au niveau des activités. Tu n'as pas continué. Pardon. On perd Corinne.
C'est l'ammoniaque. Ah oui. Mais on peut. Non, ça va. Et ça va piquer, je vous préviens, ça va piquer. J'espère que pas quand même. Pas trop quand j'espère même. Que pas, ça se dit ça? Oui, ça se dit, t'inquiète. Non, ça se dit pas. J'espère que pas. Comment est-ce qu'on. Comment est-ce qu'on... T'es pas obligé de me cracher sur le truc. Hé, Corinne, ramène ta fraise. Oups. Hé, Corinne, ramène ta fraise. Ça tombe bien, Marius, on est justement à ramène ta fraise. Bah, on se retrouve très bientôt. Sur votre média de proximité. Et sur le nous. Merde. C'est con parce qu'elle était bonne, hein, celle-là. La fraise. Super seule. Bon. Bah, en tout cas, on se retrouve très bientôt. Mmh. Hein. C'était quoi ton... Bon. Pardon. Pense quand même à ne pas être trop long, parce que t'as quand même tendance, toi, beaucoup, Marius, à vouloir raconter plein de choses. Ça raconte des histoires, en fait, au final. Storytelling. Ouais. Bon. Tu vas te faire plus de bruit. Quand on déguste, c'est clair. Mmh, c'est quoi délicieux. Ton, hein. C'est quoi ton moment et pourtant, c'est celui qui va bien prendre. Exactement. Dis d'ailleurs tous ces burgers-là de la ferme... ici. Comment elle s'appelle cette ferme? Ah. Bourgade. Tous ces burgers de la ferme ici. Ouais. De la ferme. Non, c'est incroyable, j'ai un problème ou quoi? Les gars, c'est bon, j'arrête tout, l'agriculture, c'est fini pour moi. Je reste ici à la ferme. Charlemagne, j'ai oublié. De la bourgade. Je suis à fond maintenant dans le golf, à la ferme. De la bourgade. 3, 2, 1, action! Venez. C'est lui. Bon, il faut quand même savoir que j'ai un cadreur dans mon chemin. Toujours les excuses, on essaye. C'est incroyable. Oh, joli! Joli, joli, joli. Première séquence, Marius, première prise. Deuxième séquence. Première séquence, Marius, deuxième partie, première prise. Cioti, copie à Thomas. Coucou Thomas. Tu clapes? Ça tourne. Tu clapes? Ouais. Okay. Tu clapes? Oui. Oui. Clap. Bande annonce, deuxième prise? Je ne vois rien du tout. C'est ça. On parle pas assez. Il faut prendre une photo quand même. Attends, vous n'êtes pas vu là. Et là, il est renfermé. Mais en vrai, c'est quoi ton meilleur moment de la journée? Une camionnette qui arrive. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais du coup, je peux le ramener à la maison, tranquille. Ça pourrait aller, je veux dire, c'est une ferme pédagogique, du coup. Genre, par exemple, moi, je sais... Je suis super mal ce que j'ai en train de dire. Trois petits pas, on est parti, les petits ouais. Chats. Paddy, Pada, petit ourson de Chine. Quel est le nom de notre animal favori du jour sur Facebook et Instagram? Franchement, c'est pas compliqué. Chaque fois que tu le dis, c'est Facebook et Instagram. Donc voilà, super simple, participez. Et nous, on se voit le mois prochain. Je pense que Corinne est morte de rire. Pour participer, rien de plus simple, allez sur le Facebook ou l'Instagram d'AgriStories. Et regardez. Surtout, pardon. Je ne sais pas pourquoi elle pète un plomb, mais... Et surtout, vous partez... Non, non, attends, on doit reprendre merde. Et surtout... Dans ce réseau, Marius, quand il dit aller sur nos réseaux sociaux, non. Rendez-vous sur le Facebook et Instagram d'AgriStories pour participer au concours qui arrive. Au concours... On n'a pas la question pour ça. Ciao. Ça, c'est intéressant. Ne dis pas au revoir, hein. Salut. On pourrait le dire plus tôt que c'est un best-of.